Thomas Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand nom du théâtre français, on peut le dire. Vous avez été directeur du Quai à Angers pendant plusieurs années. Vous avez remonté récemment la comédie musicale Starmania. Vous avez été également nommé directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO 2024. Ce vendredi, vous avez une représentation de Harlequin poli par l'amour à la Sacque de Sablé, à la Sacque Joël Leteul à l'Entracte. C'est une des premières pièces que vous avez montées au sein de votre compagnie, la Piccola Familia, que vous avez créée en 2006. Déjà, comment, pour nos auditeurs, vous pourriez définir ce spectacle, leur donner envie de venir en quelques phrases? Eh bien, c'est un spectacle, c'est une pièce de Marivaux. Marivaux qui est un auteur du XVIIIe siècle et qui est l'un, à mon avis, des plus talentueux pour décrypter ce que sont les mécanismes amoureux, qui, même s'il l'écrit depuis le XVIIIe siècle, eh bien, continue à être très pertinent aujourd'hui. Et que cette petite histoire d'un jeune garçon qui va tomber amoureux, au sens propre, hein, puisque avec cette pièce, d'ailleurs, l'expression « tomber amoureux » a été instituée. Et bien, quand il va tomber amoureux, il va se confronter à tout un tas d'événements et de questionnements qui restent, je crois, encore très éclairants aujourd'hui. Tout ça dans une atmosphère très féerique, hein, puisque c'est un conte avec beaucoup de fantaisie et beaucoup de fantastique. C'est une comédie. Absolument. Autour du personnage d'Harlequin. Donc on a tous cette représentation, sa tenue, ses couleurs. Alors oui, sauf que c'est une petite réinterprétation de cet Harlequin qui vient de la comédie italienne. Moi, j'ai plutôt retransposé l'histoire dans un monde très onirique. On ne sait pas très bien ni où ça se passe, ni quand ça se passe. Mais c'est surtout l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir le sentiment amoureux et va subir tous les affres de ce que peut être ce sentiment. Comment, en 2023, l'œuvre de Marivaux, qui était, vous l'avez très bien rappelé, spécialisée vraiment dans la comédie, il a vraiment beaucoup apporté à la comédie, comment aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, peut-être à l'heure du féminisme, comment ça reste d'actualité, comment ça parle à tout le monde, jeune comme moins jeune? Eh bien, j'ai l'impression que Marivaux décrypte si bien les mécanismes intérieurs, hein, de nos bouleversements émotionnels, notamment celui de l'amour, et comme personne, même en 2023, et sûrement pas en 2024, ni encore plus tard, ne comprend jamais rien à ce qu'est l'amour et comment ça fonctionne. Eh bien, lui, en tout cas, en fait l'expérience et nous propose cette lecture-là de ce que c'est la fidélité, de ce que c'est que la jalousie, de ce que c'est que la naissance même du sentiment amoureux. Et à mon avis, à toutes les époques, Marivaux restera l'un des observateurs les plus fins de ces mécanismes-là. Il y a une petite histoire, on peut la rappeler, c'est que une fée tombe amoureuse éperdument d'un jeune garçon qui s'appelle donc Harlequin. Elle le kidnappe pendant son sommeil et au moment où il se réveille, elle se rend compte qu'il n'est pas très 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 éveillé pour le coup. Il est très bête, il ne parle presque pas, il a toujours envie de jouer, de manger, il n'a aucun intellect. Donc elle est assez désespérée. Alors il est très beau mais très bête, hein, pour le dire simplement. Et puis elle va essayer de l'éduquer. Ça ne va pas vraiment fonctionner. Et puis finalement, c'est en tombant amoureux, encore une fois, qu'il va s'éveiller à sa propre identité, à sa propre personne, qu'il va devenir intelligent, vif, qu'il va devenir courtois, qu'il va devenir très fin, et tomber amoureux non pas de la fée, mais d'une autre. Et là, s'engage tout un tas de processus de vengeance, de la colère de la fée, avec bien sûr tout ce qu'il faut de fantaisie, de comédie, évidemment, et de fantastique, puisque comme c'est une fée, il y a évidemment de la magie. Une fée qui est jalouse, est-ce qu'on peut y voir un parallèle avec l'histoire de Peter Pan ? Avec quel passage de Peter Pan ? La fée Clochette est jalouse ensuite de l'amour entre Wendy et Peter Pan ? Alors oui, alors c'est une fée, effectivement, elle est effectivement jalouse, mais c'est une fée bien plus féroce, bien plus puissante que la fée Clochette. Et d'ailleurs, la question se pose de savoir si c'est réellement une fée ou bien une sorcière. Et c'est ce que je laisserai découvrir, aux spectateurs. Et en quoi le théâtre italien, on peut, quand on est un metteur en scène comme vous, qui est bien ancré dans le 21e siècle, le mettre à jour ? D'abord parce que c'est un théâtre qui est très généreux, qui est, comme on l'a dit, sur le registre de la comédie, qui est un théâtre qui se fait avec l'adresse en permanence aux spectateurs, aux spectatrices. Ce n'est pas du tout un théâtre lointain, c'est un spectacle qui se partage en fait, c'est une théâtralité qui se partage. Et ça, pour le coup, ça passe absolument les siècles et ce n'est pas tout à fait de la comédie italienne au sens où Marivaux, qui rencontre en 1720 les comédiens italiens qui viennent en tournée en France, est tellement subjugué par leur façon de jouer
qu'ils décident de leur écrire une pièce. Donc c'est à la fois inspiré de la comédie italienne, mais c'est surtout un auteur français qui est passé par ici. Merci Thomas Joly. Donc Arlequin poli par l'amour de la compagnie La Piccola Familia, c'est ce vendredi à 20h30 à la scène Joël Le Teul à Sablé-sur-Sarthe. Durée environ 1h10. C'est pour tous les publics. Toutes les infos sont sur le site de l'Entracte à Sablé. Merci. Merci beaucoup.